Hello et bienvenue sur ma chaîne. Hello, j'ai 20 ans, je m'appelle Lisa et je suis étudiante en photographie et aujourd'hui je me lance sur YouTube enfin après tant d'hésitation. Donc j'espère qu'il n'y aura pas mon chat qui va venir m'embrouiller pendant la vidéo avec ses miens puisque ces derniers temps il fait que parler. Et du coup aujourd'hui je voulais parler d'une vidéo backstage, d'un shooting que j'ai réalisé récemment. Donc je fais des études de photographie à distance, ça je pense que je ferai une vidéo dédiée à ça prochainement. Et aujourd'hui je voulais vous parler un petit peu de ce projet que j'ai réalisé dernièrement, le week-end dernier. Donc j'ai pu organiser un shooting collaboratif avec une modèle qui s'appelle Chloé et c'est elle qui a fait le maquillage. Donc je vous mettrai également ses liens par d'infos et sur Instagram juste ici ou par là, je sais pas encore si je le mets à gauche ou à droite. Mais ce que j'ai pu réaliser c'était un maquillage assez artistique et du coup assez mode grâce à Chloé qui est vraiment une perle en maquillage. Elle a fait un maquillage bon super simple pour certains d'entre vous, mais moi franchement je pourrais pas le réaliser toute seule. Donc je mettrai des petites vidéos juste après, je sais pas encore comment je vais faire le montage parce que je suis quand même débutante dans tout ça. Mais j'espère que la vidéo ne fera pas trop mal à vos yeux, qu'elle sera quand même bien montée. N'hésitez pas à me dire vos avis en commentaire, ce que je pourrais améliorer également par la suite vu que c'est une toute première vidéo. Après du coup j'hésitais à faire un format où je parlais en voix off avec les images, mais je pense que j'avais pas assez de plans filmés. Du coup j'ai préféré vous parler face caméra. Après j'ai pas non plus un but précis avec ce shooting. En général je fais des shootings assez mode, assez artistique. J'aimerais plus développer ce skill-là artistique pour mes projets perso, car j'ai des devoirs également à rendre avec l'école et après bah, je devrais également faire des shootings plus personnels, enfin plus pour les clients. Donc pour le moment je suis en train de développer, j'ai pas encore mon auto-entreprise, je suis étudiante mais ça va venir petit à petit. On va pas tout avoir, mais pour le moment je contacte quelques modèles qui veulent oui ou non pour un shooting, je leur explique pourquoi. Ce sera pour un shooting photo pour publier sur mes réseaux sociaux. Donc mon Instagram photo c'est Lisa Lecaves, mon nom, mon prénom et mon nom. Du coup pour ce shooting c'était un shooting que j'ai créé un mood board, donc je mettrai le mood board soit en plein écran soit sur le côté, mais du coup j'avais créé un petit mood board avec les couleurs que je souhaitais pour ce shooting avec la tenue, les coiffures et le maquillage. Et du coup le maquillage c'était vraiment le thème principal du shooting, donc à la vérité c'est un maquillage un petit peu aquarelle, donc artistique sur le côté du visage. Donc je trouvais que c'était une bonne idée et puis par la suite j'ai décidé d'envoyer ces quelques photos à un concours. Donc je vous en dirai des nouvelles par la suite si j'ai été sélectionnée ou pas pour le concours. Le thème du concours c'était 5 critères de taille avec donc 5 photos envoyées à ces modes artistiques. Je trouvais que Chloé était parfaitement adéquate pour les critères du concours. Du coup je lui proposais si elle souhaitait bien que j'envoie les photos par la suite. Donc tout ça je vous en dirai peut-être dans une prochaine vidéo. Et le petit détail, en plus du make-up, Chloé a même réalisé des petits dessins de visage sur sa chemise. Donc je trouve qu'elle se déroule vachement bien en dessin. Et vu que c'était sur le mood board, un petit peu plein de visages au niveau des bijoux. Donc tout ça vous le verrez dans les petites vidéos backstage. Donc je pense que je vous ai à peu près tout dit. Je vous laisse avec les images du backstage que j'ai pré-filmé avec une petite musique de fond. Bon, j'ai pas filmé avec la même caméra. Là je filme avec le Canon EOS 100. Là j'avais filmé avec ma caméra pour pas avoir tout avec moi. L'appareil photo avec lequel je fais les photos, le Canon 550D. Donc désolée si ça bouge un petit peu, j'essaie de faire mieux la prochaine fois. Je prendrai ma caméra avec laquelle je filme là en ce moment. Mais j'espère que ça va vous plaire tout de même. On se retrouve très bientôt sur ma chaîne pour une vidéo où je vous expliquerai un petit peu plus le déroulement de la chaîne, comment je vais faire des vidéos. Un petit peu une vidéo présentation explicative. Bye!
vu là. On dirait le chien de Tintin, tu sais. Milou. Oh putain, c'est mignon. Hey, il est sur le bord.